nous sommes toujours avec paper 1 et pour deuxième terme, nous finissons faire un topic qui appelle encryption. Ça nous finit. Encryption nous finit faire, ça va de rien nous faire. Et nous faisons papier l'examen dans encryption. Correct? Aujourd'hui, nous avons aussi cause un chapitre qui appelle. C'est bon, voilà. Tu voulais me servir de mes photos? Ah oui. C'est bon. Ah, on compte là pas avant. Voilà. Chapitre qui devait guetter aujourd'hui, c'est Computer Architecture. Correct? Computer Architecture. Voilà. Computer Architecture. Et là-dedans, qui devait guetter les enfants? Role of CPU. Mais tu guettes ban CPU, c'est ban components. Et nous t'ai expliqué qui veut dire microprocesseur. Nous t'ai expliqué qui dans CPU il y a trois parties. Il y a ALU, il y a Control Unit, après il y a Registers. Et nous t'ai aussi causé un spell au fetch, decode, execute cycle. Et aujourd'hui nous causons le bus line, soit là, nous causons le buses, qui veut dire buses, et qui veut dire cause, etc. Nous causons là. Voilà le topic qui nous fait causer 3.N. Hardware, correct? 3.N hardware. Voilà, nous rentrons dans le topic là, nous commençons à causer et nous vérifions tout. Voilà, maintenant nous vous posons une question. Nous guettons pas les qui nous suivent là. Cela. Bon, gris d'arrivée est rentré. Allez, 5 ans. Première question pour toi. Semaine dernière, tu es dans la classe. Topic c'est computer architecture, d'accord? Encore, topic c'est architecture, computer architecture. Vous pouvez suivre, vous avez besoin de moi. Encore, non, allez, c'est encore par là. Le cause avec un autre élève, nous guettons si vous avez besoin de moi. Ou bien un problème avec mon son. Non, son bon. Allez. Batou Bara, vous pouvez étonner moi? Oui, monsieur. Allez, je commence aussi. CPU, je connais qui veut dire CPU. Maintenant, si je ne connais pas qui veut dire CPU, nous vous rendons un Google, nous vous Google it, nous vous montrons qui veut dire CPU. Central Processing Unit. Voilà, nous avons une photo des CPU. Voilà, ça c'est CPU. Allez là, ça c'est CPU. Ça ne s'appelle pas CPU, ça s'appelle ça System Unit. Mais en dans l'île, la CPU. Voilà, ça c'est CPU. Il a une motherboard, voilà. Correct? Ça c'est pas une photo CPU. C'est là, CPU, dans la main. Ça, il y a une photo d'un motherboard. Là, j'ai trouvé un motherboard. En dans lit, là où il y a un fan. Ça c'est CPU. 5 CPU score i5. D'accord? Et ça, il y a une CPU. So, these are the CPU. D'accord? Maintenant, Batou Bara, question qui m'a posé. Voilà. Je vais tout guetter CPU comme a été. Et il y a une motherboard. Et là, une jolie photo que tu trouves. Un Jimoon peut installer un CPU dans un motherboard. Voilà. Un CPU dans un motherboard. Voilà. Correct? Ça c'est CPU qui est là. Il peut installer. Ça fait tout là. Il peut installer un CPU dans un motherboard. Correct? Maintenant, question qui m'a posé. Batou Bara. What are the three components of the CPU? Voilà. Dans le nuts. CPU en dans lit, il y a trois components. What are the three components? Allez, Batou Bara. What are the three components of the CPU? Oui, il y a les commandants. Oui. What are the three components of the CPU? CPU have three components. What are the three components? Allez, moi, puis t'en dis, Batou Bara caracosé, non? C'est encore caracosé? Oui, il y a les commandants. Moi, puis t'en trouve bien, réjouis-moi. Réponse à l'écran l'aime. Ouais, exactement. Réponse à l'écran l'aime. À cause ça, moi, envie de causer, de dire moi. What are the three components of the CPU? Allez, dis-moi, mon garçon. Control unit, ALU, memory, also known as registers. Très, très bien. So, the three components of the CPU, réponse à l'écran l'aime. C'est control unit, arithmetic logical unit, avec registers. Bon, registers, ils font partie des souvent buses. Maintenant, describe the three components of the. Describe each component. Et what is the function of the control unit? Correct? What are the function of the control unit? Now get ça, écoute. What are the function of the control unit? Maintenant, je demande sa question là, un autre enfant du Ouga. Function of the control unit. Control unit qui diffère?
étudier 3 ans, faire dans notre cahier. Dans notre cahier. Push the button. I'm going to trip it. So the control, you need to have free. Do you go? What are the free functions? What are the free function of the control you need? It controls the whole computer system. Très bien. Control the whole computer system. Après ça, qu'est-ce que tu dis? Synchronize all the activities of the computer system. Très bien. Synchronisation. Synchronization of the whole activity. Synchronisation des data flow. Bien bon. Troisième, contrôle unit fait en quoi nous affaires, Moutidia? Decode instructions in the CIO. Très très bien, Moutifi. Decode instructions in the CIO. Voilà, contrôle unit fait ça trois fonctions là. Correct? Maintenant, le bouquet encode and load component. Maintenant, gridari. Nous finissons déjà function of the control unit. Maintenant, nous vous demandons function de qui affaires. Allez. Allez, gridari. Je vous demande fonction de qui ça fait, c'est-à-dire. Je finis demande fonction de contrôle unit. Maintenant, je vous demande fonction de qui ça fait. Allez, Ridari. Harshini. Harshi. Allez, pas mettant. Jawahir. Jawahir, Moutifi. Function of the ALU. Give me the function of the ALU. Qui veut dire ALU? Jawahir, qui veut dire ALU? Non, Jawahir va m'étendre. Jawahir va m'étendre. Bon, vous pensez, vous avez besoin. Écoutez, écoute là. Bon, vous faites un screenshot là. Je vais prendre attendance là. Hein. Bon, vous avez besoin de ben non, comment écrire là. Hein. Ouais, on va faire un attendance. Vous pouvez envoyer ça dans le groupe. De le WhatsApp groupe là. Correct. Une minute. Continue. Allez, nous avons un coup de qui va nous élever online là. Je suis à l'écran. Oui. C'est vous là qui fait un rentre en retard, mon garçon. Vous avez une bonne heure, une deuxième classe. Abiché. Oui, ça va, tu as pas fini classe. Allez, arrête. Allez, allez. Monsieur, qu'il est fini. Il est à 1h30, nous laissons. Allez, nous continuons là. Hein. Nous laissons, il est à 1h30. Maintenant. Nous demandons l'autre élève là, nous continuons de devoir. Jawahir pas de réponse, nous Jawahir ou la même. Non, Jawahir pas là. Allez, Bimanaiko. Bimanaiko, nous avons une fonction de ALU. What are the two functions of the ALU? ALU fait deux affaires. Jawahir, écoute Bimanaiko. Bimanaiko. ALU fait arithmetic operation. C'est bien. Il fait arithmetic operation. Qui veut dire arithmetic operation? Il veut dire mathematical calculation. Correct? ALU fait mathematical calculation. Et il fait logical operation. Qui veut dire logical operation? And or not. Ok? Ça c'est logical operation. Il veut dire ALU fait deux operations. Arithmetic and logical. Arithmetic veut dire mathematical calculation. Et logical operation, t'en es où de lui? Logical operation, réduire, greater than, less than, equal to, t'en es où? Ok? So, arithmetic operation, veut dire mathematical calculation, et logical operation, veut dire comparison. Correct? Allez, maintenant, nous continuons. So, nous regrettons pour vous qui nous fait rentrer, nous avons le chapitre architecture, correct? Computer architecture. Et pour vous qui nous fait rentrer, moi je vous retrouve dans une affaire qui est très très intéressante, moi je vous retrouve qui nous avons le CPU. Voilà, CPU. Qui veut dire CPU? CPU veut dire Central Processing Unit. Et là, nous avons. Dans le waiting room. Allez, oui, nous mettons l'IC, c'est là ça. Dans le waiting room. Comment nous mettons l'IC, enfant là? Voilà. Attends, nous mettons l'IC. Ouais. Allez, Ramchan Division rentrer là, hein? Nous voudrions faire attendre l'installer avant d'y aller. Correct? Allez, ça qui fait qu'on a. Ok, nous continuons là. Hein? Bon, ça c'est CPU. Tous les enfants qui ont un coup de qui veut dire CPU. CPU veut dire comme ça. C'est un CPU, c'est un coïncide ça. Ok, ça dit, on peut prendre un CPU de cela. Mais là, il y a un motherboard, il y a un ventilateur en bas d'un CPU. C'est un CPU ça. Là, dans un motherboard, il y a un CPU. Et ça, c'est un CPU, ça. C'est un coïncide ça.
Correct? Voilà, ça c'est CPU. Ça c'est CPU, ça c'est CPU. Maintenant, nous pouvons mettre CPU en détail. Get là, engine peut ouvrir son motherboard, il peut mettre CPU. Ça c'est CPU. Ça pas CPU, ça, système unit ça. Get là, engine de cela, mais il va trapper un CPU. Get ça un CPU ça. Ok, CPU est le central processing unit. Mais là, nous pouvons ça un socket ça, que le CPU là rentre dans le motherboard. Correct? Je tu get le CPU? Voilà. Ça un motherboard, il peut ouvrir, il peut mettre ce CPU là. Et ça un CPU, engine peut placer un CPU le motherboard. Get engine trapper un CPU. Ça c'est un CPU. D'accord? Voilà CPU. Get CPU sur détail. Get la photo là. Il y a un register là. Ok? Voilà. Ça CPU sur un détail. Maintenant, nous continuons à expliquer. J'espère que tout le monde va suivre moi pour avoir les autres notes là. Vous voulez dire que nous pouvons CPU. Qui veut dire CPU? CPU veut dire Central Processing Unit. Allez, nous vous reposons la question là, mais c'est qui fait rentrer. Et Mamdi. Ça va, et Mamdi? Bonjour. Bonjour, monsieur. Allez, what are the three components of the CPU, Motifi? Control unit, arithmetic and logic unit, registers and buses. Très bien. L'autre question. Gridari, Harshini. What are the functions of the ALU? Allez, Gridari, mon collègue, il met ça en une finale. Hein? L'autre. Aradon. Function of the ALU. Aradon aussi par là. Jawahir, function of the ALU. Allez, Jawahir aussi par là. Ok, nous pouvons recoder. Nous finit de répondre. L'India ALU has two functions. What are the functions of the ALU? Il fait arithmetic operation. Après, il fait logical operation. D'accord? Et un autre élève qui répond. What is the function of the control unit? Sadouga qui répond. Il dit control unit, control, coordinate. Et organiser the whole computer system. Et il dit aussi control unit synchronize the whole computer system. Et il dit control unit aussi il decode instruction in the CIR. Maintenant, vous posez une autre question. Choi tu la même? Oui, oui. Allez, Choi tu. What is the function of the register? Première question, vous posez. What is the register? Part of the memory. Oui, it is the smallest unit of the memory. Registers, the smallest unit of the memory. It is measured in which unit? Comment on measure registers? En bits. Ok, register 4 bits, 8 bits, 16 bits. Ok, 4 bits, 8 bits, 16 bits. So registers are 4 bits, 8 bits, 16 bits, 32 bits. So registers, so size, mon fini diazo. Correct? Maintenant, registers, les formés par ban. Il faut même pas un circuit. Après ça, flip-flop circuit. D'accord? Flip-flop circuit. Et function of the register. Je vais demander ça question là, tu as tout. What are the function of the register? Store current data. Oui, store current data. Store current application software. Ouais, current application software. Et troisième? Store part of the OS. Très bien, store part of the OS. Maintenant, registers, il y a plusieurs types de registers dans notre syllabus. Maintenant, nous vous demandons Juliette, qui parle registers ou connaît, mon garçon? Qui veut dire CIR? Juliette? CIR, qui veut dire CIR? Juliette peut suivre la classe? Oui. Oui. CIR veut dire Current Instruction Register. Qui veut dire ACC? Toi-même? Accumulator. Ouais, qui veut dire MAR? Memory Address Register. Et qui veut dire MDR? Memory Data Register. Et qui veut dire PC? Program Counter. Allez, right. Maintenant, il y a des élèves qui comprennent. Tout ça va dans le register, ça va les trouver. Ok, l'idée de CPU en dans là. Regarde le CPU là en dans l'île avant le register. Je veux dire, RAM c'est un lot qui chose. Mais register, il trouve en dans CPU. Regarde là le CPU. Ça, une jolie photo là pour expliquer. Est-ce qu'ils ont trouvé mon écran? Regarde ça, un CPU là. Vous avez trouvé mon écran? Allez, ça, vous avez trouvé CPU? Allez, ça, vous avez trouvé ça bloc diagramme là. Regarde ça, bloc diagramme là. Regarde ça. Ok, vous montrez ça, bloc diagramme là. Regarde ça. Sa photo là là. Correct, ça te processeur, en date de processeur, tu as notre contrôle unit, tu as notre registers et tu as notre ALU. D'accord? Ben, mémoire qui trouve en dehors, c'est RAM.
OK, mémoire qui trouve en dans CPU, on appelle les registers. Et on a un input device et output device. Maintenant, on va montrer ça en cours qui se un autre bloc de diagramme, on va montrer ça. Voilà, on finit qu'il y a un CPU, CPU, on va mais on va montrer ça en cours bloc de diagramme, là, pour que tu comprennes plus bien. Voilà, il y a un bloc de diagramme, là, tout ça. Ça a aussi l'intérêt de l'idée. C'est capable d'expliquer ça. Voilà. Voilà. C'était dans ton CPU, tu as ton control unit, tu as ton arithmetic logical unit. Ça a des affaires là. Et puis tu as ton register et chip of memory. Bon, tu as un storage en dehors. Tu as un input device en dehors. Ok? Voilà un petit peu comment il était ça. Maintenant, nous retournons avec nos notes. Voilà CPU, nous avons sur bonne parts. Et ça bloc diagramme là aussi intéressant. Là. Vous trouvez? Tu as ton control unit, ça c'est le CPU couleur bleue là. Et dans ton CPU, tu as ton control unit, tu as ALU et tu as un type of memory qui appelle ça register. Tu as un output device en dehors, tu as un input device en dehors, output device et storage device en dehors. Voilà un autre diagramme pour expliquer ça plus bien. Sur la CPU, dans la CPU, tu as control unit, tu as ALU et tu as register. Mais RAM trouve en dehors. Mais en dans la CPU, tu as un type de RAM qui appelle ça register. Et output device, voilà CPU. Maintenant, on retourne dans nos notes. Bonnes enfants qui comprennent, nous retournons là. Combien qualité registers maintenant, ça n'a pas ça special purpose registers. Et ça est special purpose registers, il y a une fonction. Programme 41 a sa fonction, memory address register a sa fonction, memory data register a sa fonction, accumulator register a sa fonction, CIR a sa fonction. Nous pouvons faire une fonction, une registers, c'est allé entièrement. Maintenant là, nous pouvons expliquer un autre terme. Ok? Qui veut dire buses? Nous pouvons expliquer qui veut dire buses. Ok? Maintenant, tu as l'air de vous guider une fonction, un register, un des autres. À ce moment-là, nous allons guider buses. Ok? Maintenant, vous pouvez expliquer ce qui veut dire buses. Ok? Bus line. C'est un nom de ça, buses. Voilà. Maintenant, ça, un motherboard, ça. Il y a bien si je peux trouver. Puis là, c'est un circuit de board. Il y a un petit fil qui me soude de board. C'est un joli diagramme. Il y a là, trouvé. Il y a un wires, printed circuit wires. Mais le motherboard, de place de la wires, ben, on imprime sa wires, ça. Il a une prime sa voyage, on appelle ça printed circuit. C'est ça une motherboard, ça. C'est ça, enfant. Vous trouvez une motherboard? Et il y a une voyage imprimée là-dedans. On appelle ça un printed circuit, le board. C'est ça un printed circuit, là, le motherboard. C'est un autre diagramme. Ça, c'est un printed circuit, le board. C'est un component, ça, un IC, ça. Et il y a un circuit, la ligne est imprimée là-dedans. Un petit fil est imprimé. C'est là. C'est ça, photo là. Un petit fil est imprimé. Il est connecté un component à l'autre component. C'est là, il y a un petit fil imprimé, le board. Et puis un component à l'autre component, un petit fil imprimé. Je trouve ce petit fil là. Ce petit fil là, comment on appelle buses. Maintenant, nous posons une question aux élèves. Nous n'arrivons qu'à être Kushal. Kushal, ça va? Oui, monsieur. Allez, est-ce qu'il te peut comprendre ce qui veut dire buses? Si tu ne pas trop comprendre, monsieur, moi, je peux comprendre. Ça, un photo motherboard, ça. Qu'est-ce que tu peux trouver là? Ça, un motherboard, ça. Correct? Et là, nous avons. Ban, c'est à qui? Inconnecté. Tu trouves un petit fil inconnecté là-dedans? C'est un petit fil là, il est imprimé, il est soudé le bout. Et si tu regardes ça diagramme là, tu trouves un c'est à qui? Un petit fil, il est imprimé. Et ce petit fil là, qui tu peux trouver là, il y a un petit fil en parallèle, inconnecté. Comment on appelle ce petit fil qui est imprimé là, mes enfants? Le motherboard. Allez, causez, mes enfants, si tu ne connais pas, connais. So, how we call these wires? Ce petit wires là, on appelle buses. Ok, boss. Voilà, vous pouvez comprendre, mon petit fils? Non. Allez, couche. Oui. Allez, what is a boss? What is a boss? Au cas de diamant. Printed circuits on the motherboard. Très, très bien, mon petit fils. So, what are buses? They are printed circuits on the motherboard. Ok? Qui fait un assemblant de printed circuits à l'autre là, mon petit fils? Allez, causez. Kushal, qui fait un assemblage circuit là, le board là? Allez, get nous get un motherboard. D'après toi, qui fait un assemblage circuit là, ce petit fil là? Ce petit fil là, qui le fait? Qui se roule? Get le dire toi. Qui fait un assemblage fil là, mon petit fil? Tu connais différents components. Oui, tu connais. Voilà. Oui, mon petit fil, pour connaître les différents components. Et ce petit fil là, le printed circuit là, le board là, il est pareil, comment qu'il s'en fait? They are like what? Wires. Comment vous avez-vous? Like wires. Ok, comment vous avez-vous?
devices, donc connecting devices. Ok, devices. Ok, pour connecter man devices. Maintenant, il allow flow of instruction. Il y a des data connectés avec N pour envoyer des data depuis une place à l'autre place. Get ça bien modifié. Si tu gets ça diagramme là, là, nous c'est get un diagramme là et là. Et ça photo là. Correct. Attends, nous get ça photo là. Tu trouves? Data peut flow depuis une place vers l'autre place. Correct. Et là, tu get un couple de components, le motherboard. Correct. Voilà. Ça te get ça là. Tu trouves? Et ça photo là, la wires et des tapes à aller là-dedans, une place à l'autre place. Correct. Maintenant, je vous demande une question là. Voilà. Allez, get ça diagramme là, écoute. Espérez, je vais trouver. Je vous demande sa question là. Gridari. Niharika. Allez, cause Gridari. C'est la même là. Allez, Gridari la même. Non. Il est arrivé de Oumi. Vous allez lever. Allez, il est arrivé de Oumi. Neuf, tu es dit la même. Okay. Allez, neuf, tu es dit. What are buses? What is a bus? Printed lines on the motherboard. Très bien. Why do we have these printed lines? To connect components to the motherboard. Why we connect components on the motherboard? To transfer data. Très très bien mon garçon. Top. Et ça va printer ce circuit là, imprimer ce circuit là, il paraît comme un wires. Allez, get dans sa photo qui devait trouver là. Correct? Qui va components toi identifier dans sa photo là? List the components you can see. Une pièce qui devait trouver, une components. Allez, diamant. Qui va composer ce que tu peux trouver dans sa photo là? CPU. Très bien. Ouais, CPU et component. L'autre component qui tu peux trouver? RAM. RAM, bien bon. Memory. Encore qui tu peux trouver? Input output devices. Oui, encore qui tu peux trouver? In a control bus, in a address bus, in a data bus, mais souvent buses là, il n'y a pas de components ça. Il n'y a pas de circuits ça. Ok, buses. Bon, il y a trois qualités bus là-dedans. Il y a trois qualités wires. Name the buses. Qui bande bus tu peux trouver là-dedans? Ben, il y a un diffil couleur bleu. Qu'est-ce que ça diffil couleur bleu là? Comment appelle-t-il? Allez, nous demandons à l'autre élève sa question là maintenant. Notre chédine finit répondre, il bien répondre. Nous posons à l'autre élève question là. Hein? Allez, après notre chédine, nous gagnons. Personne. Ok, personne la même. Allez, personne répond. Non, personne pas là. Personne ou la même. Allez, si il est déconnecté, nous pourrons reconnecter là. Hein? Attends, nous bizarre, reprendre attendance avant de l'équipe là. Nous pouvons. Ok, on fait un print screen. Moi, ça là. WhatsApp. Ok, nous continuons. Ok, ça n'a online là, le get and good. Nous réchirons l'écran. Si jamais déconnecté, nous reconnecter. Allez, bons enfants. Le get and good là. So, nous posons les questions. Kedan, ça va, Kedan? Oui, monsieur. Allez. Nous avons 3 components maintenant. En fait, nous avons 4 components là. Il y a CPU, il y a memory, il y a input-output device avec une port. Maintenant, il y a un diffil qui est connecté à ces components là. Il y a 3 couleurs diffil. Can you identify the color of these wires, ces buses là? Il y a 3 bus. Dis-moi qui 3 bus tu peux trouver. Une couleur bleue. Couleur bleue là, comment est appelée? Control bus. Très bien, Moutifi. Control bus, il coule à bleu, il peut connecter sa main component. Ça. Deuxième bus, comment appeler? Address bus. Address bus, il coule à move. Et troisième bus, comment appeler?
Database. Très bien. Est-ce que tu me comprends qui veut dire boss? Dans sa bande diagramme là, tu peux de toi la ligne comme ça. Mais tu peux me montrer toi qui boss line on motherboard. C'est ben la ligne ben du fil qui connecte ben component. Est-ce que le motherboard, ça va ben parallel wires là, on appelle ça bosseuse. Et tu trouves, tu as trois qualités bosseuses. Et nous dire toi qui ben bosseuse, qui fait une ben bosseuse. Ben bus c'est ben printed circuit le motherboard, les connecter ben different components, they are like wires, et c'est allow the flow of instruction. Et nous disons, nous avons trois qualités bus ici dans le syllabus, nous avons control bus, nous avons address bus, avec nous avons data bus. Voilà. Get there are three types of buses. Allez, nous répondons à la question là. There are three types of buses. How many buses you have in your syllabus? You have three types of buses. Name the buses. You have address bus, you have data bus, and then control bus. Maintenant, remarquez une affaire. Là, dans ce diagramme-là, address bus qui coule, qui donne. Allez, address bus coule à mauve. Est-ce qu'il y a une remarque sur direction? Il est dans une seule direction, tu as trouvé? Address bus, il est sorti depuis CPU, il y a dans mémoire. Et il est sorti depuis la CPU, il y a dans input device. Il est dans une seule direction, tu as remarqué? Le unidirectional. Il y a address bus qui est sorti de la CPU, processeur de la CPU. Address bus qui est sorti de la CPU, les couleurs mauves, il y a dans la mémoire. Il y a address bus qui pointe tout dans la mémoire. Il y a dans la mémoire telle place. D'accord? Et remarquez une autre affaire qui donne. Data bus. Qui couleur y est-il? Couleur vert. Vert. Qui sont directions? Il y a une direction ou ça deux directions? Il y a deux directions. Non, il y a deux directions. Il y a comme ça aussi, il y a comme ça aussi. Bon, si il y a deux directions, on appelle ça bidirectional. Comment on appelle ça? Bidirectional. Il y a deux directions. Maintenant, nous posons une autre élève question. Kaden, merci beaucoup. Nous posons une autre élève question à ce terme. Après Kaden, nous gagnons. Un autre dit, il finit plus. Nous gagnons Ramchan. Ramchan Divish. Correct, Ramchan? Tu es la même? Oui, je suis. Allez. Nous avons encore un bus qui est dans le parc audio. Comment il appelle? Control bus. Ah là, là, control bus. Qui coule à y'a-t-il? Il coule à. Ici, il paraît d'abord pink. Ok? Rouge. Ouais, voilà. Control bus. Lui, dans sa livre-là, il montre une seule direction. Mais dans un autre livre, vous trouvez dans deux directions. Allez, je repose la question à ce terme. Ramchan, merci beaucoup. Good day all. Ok, what is a bus? A printed circuit on the motherboard. Oui, they are printed circuit on the motherboard. Why? What is the purpose of bus? What is the purpose of bus? Yes, the bus connect different components. Ok, why it is important to connect different components? To allow flow of data instruction. Ouais. Et buses resembles what? They resembles what? Wire connecting ouais. Devices. Très très bien. Allez, l'autre enfant, c'est là, merci beaucoup. Et là, nous posons une question à l'autre enfant, Goudéa, une fille répond. Saïf, Boudou, ça, mon quoi. Allez, Saïf, Boudou. Ok? Bandou. Bandou, sorry. Saïf, Bandou. Name the three types of buses. Name the three types of buses. C'est control bus, address bus et data bus. Très très bien. Très très bien, Bandou. Maintenant, là, nous trouvons les three types of buses. Mais chaque bus, nous devons donner une définition à ce terme. What is an address bus? What is a data bus? What is a control bus? Correct? Allez, nous lisons, nous donnons une petite description de ça là. Hein? Maintenant, nous posons une question. Bandou, il finit de répondre. Sigoulam. Ok? Sigoulam, la même. Sigoulam, ou la même, mon garçon. Sigoulam, are you here? Sigoulam, pas là. Ok, Biari. Tanvir. Oui, présent, monsieur. Allez, mon garçon. Address bus.
Dis-moi, li en direction ou ça li dé direction? Li en seule direction. Comment on appelle en direction? Unidirectional. Très bien. Et adresse bus, qu'est-ce que ça mot là, Diata? Adresse. Adresse bus, li connecté, qui ça fait là? Li connecté de CPU avec ton mémoire. Li Diata, qui côté dans mémoire pour aller? Get bien. Adresse bus, couleur, regarde là. Adresse bus, couleur move. L'idée CPU, le CPU là, l'idée CPU qui côté pour aller dans mémoire, l'adresse numéro 1 dans mémoire, c'est pas l'adresse numéro 2 dans mémoire, l'adresse numéro 3 dans mémoire, veut dire adresse bus les connecter CPU avec mémoire, l'idée CPU là qui place pour aller dans mémoire, pour aller fetch data, pour aller connecter data. So, what is an address bus? It is unidirectional. It carries signal. Qui carry signal? Address signal. Qui veut dire address signal? L'idée qui côté dans mémoire pour aller. Li connecter CPU avec mémoire. Li dire CPU qui place dans mémoire pour aller. Ouais. Li dire CPU dans qui classe dans mémoire pour aller. Li dire CPU qui place pour aller dans mémoire. Ça c'est address bus. So address bus control contains address, memory address, from where data is to be fetched. Ouais. It connects the CPU to the memory. Tell the CPU in which memory location to fetch data. D'accord? Maintenant, on pose un autre élève question. Tokai. Tokai, où l'aime? Oui. Allez, what is a data bus? Est-ce qu'il est en direction ou ça est des directions? Des directions. Allez, qui fait l'idée direction? Moi, explique-toi, Ali. Get là, ça CPU, ça. Correct? Ça VLA, on appelle ça un data bus. Sa mémoire ça, ok? Imaginez que CPU comme déjà de grinder, peut écraser data. Et mémoire c'est de plat. De prendre des états débit dans le plat, tu amènes de écraser. Après de réavoir des états dans le plat. De reprendre des états débit dans le plat, de écraser. De réavoir dans le plat. Mais le CPU prend des états débit dans la mémoire, les process, après les avoir le résultat dans la mémoire. À cause ça, il est dans des directions. Bon, il y a un message, il est rentré, nous qui écoute. Have internet problem. Bon, moi je peux dire à mes élèves, finis régler ce problème internet. Parce qu'ils ne voient pas tout classe pour online, ou vous avez fini régler votre problème internet. Correct? Après, nous guettons ça. Maintenant, je vais réexpliquer. Qui veut dire data bus? Guette là bien. Data bus, qui couleur y était? Les couleurs vertes. Data bus veut dire la ligne qui peut transférer data. Ok? Processeur, il est là. Ok, nous continuons, Rico. Ça, je vais sa vidéo là, dans YouTube, je vous comprends plus bien. Allez, maintenant, nous continuons. Les élèves qui sont rentrés là. Maintenant, nous posons l'autre élève question. Biarine répond, si vous l'avez répond. Nous reprenons depuis la haute. Ou Judas, ça va? Bon après-midi, ou Judas? Allez, ou Judas, vous répondez? Ou Judas, ça va? Vous pouvez suivre Kassla, Abishek? Non? Oui, bon après-midi, il est bien à micro. Allez, nous causons l'autre enfant. Tous les enfants sont rentrés là. Bon, Tubara, ça va? Allez, bon, Tubara. Micro pas bon pour ça là. Oui, bon, Tubara. There are three types of buses. Name them. Address, bus, data bus, control bus. Très bien, mon garçon. Maintenant, nous posons une autre question. Nous posons une question à Douga. Ok. What he describe address bus? C'est quoi un address bus? An address bus carries signals relating to addresses between the processor and the memory. Et les unidirectionnels, les points dans une seule direction, d'accord? Tu comprends? Maintenant, qui veut dire address bus contient address, memory address? Veut dire bien, ça processé à ça. Hein? Tous les mots là, c'est address bus. Veut dire address bus, les points to the memory. Il contient memory address. Il dit qui côté depuis dans mémoire pour te amener data. So, d'accord? So, address bus contains memory address. From where data is to be fetched or returned to. L'autre question maintenant? Je pose Emamdi question. Next bus, qui m'a proposé Emamdi? Data bus. Oui, qui te dit le data bus? Lis quoi? Il
Di bidirectional. Qui veut dire bidirectional? Qui veut dire direction? Regarde là. Bon, pour te comprendre, qui veut dire bidirectional? Tu as ton processeur là, tu as ton mémoire là. Processeur, tu as ton grinder ça. Et mémoire, c'est un plat. Ok? C'est-à-dire, tu prends pour d'amour des vidéos plat, tu amènes, tu crases. Après, le résultat là, tu réavoues dans la mémoire. Mais dire, il peut dire des directions. Il va falloir bien comprendre des états, des databases, il a des directions. Tu amènes des états, tu crases, tu retournes des états, résolve. Veut dire les bidirectional, veut dire address bus une seule direction, mais data bus deux directions. Address bus contain memory address from data is to be fetched. Et data bus a la deux directions. Il y a même data de la mémoire et il retourne data dans la mémoire. Correct. Bon, dernier, la control bus. Nous posons cette question là, Javier. Javier ou la même? Allez. Control bus, comment ça m'a dit, toi? Il carise, qui carise des signals? Il carise control signal. Qui veut dire control signal? Moi, c'est explique-toi. Veut dire, tout bon input-output device, quand pour démarrer, quand pour arrêter de fonctionner, quand pour fonctionner, c'est CPU qui envoie un signal. Il envoie un control signal. Pareil, comme l'Iceman, dans un match football, il faisait les pavillons. C'est là outside. Veut dire, il envoie un control signal. Veut dire, control signal envoyé par un bus. Qui appelle ça control bus, d'accord? So control bus, li unidirectional dans sa livre. Maintenant, l'autre ban livre, li pou dire toi, li bidirectional, de deux directions, dépend ça. Control bus, dans sa livre, li dit toi, unidirectional, ben, en amant l'autre livre, li pou dire toi, li bidirectional. Veut dire, li carise control signal, d'accord? Li carise control signal. Maintenant, à ce moment-là, il y a une autre affaire qui est intéressante. Nous reprenons les audits qui nous guettent. Allez, allez, maintenant, un minute de résultat. Ouais, correctement, mettez mieux. Prends la carte. 20 minutes, 20 minutes, pour tirer un bouc là. Depuis grand matin, regarde ça, ce laptop, l'autre laptop, il a des laptops pour les configurer. Tu es moi, Marie Bleu, putain. Marie Bleu. Moi, tu connais mon poil, mon père, ça, mon tellement les bons camarades, toi. Bon, pour rester le fond toi, mon frère. Oui, est-ce que vous regardez dans le côté là? Qu'est-ce que combien PC de dormir là? Moi, je finis la classe là, je vais tasser là-dedans. Bon, allez, bon, tu connais toi, le fond là. Après, la merde, moi, on va aller ça. Vous ne connaissez pas, vous, mais ce qui m'a vous donné. Si toi, allez, tu vas tasser là, aucun travail pas fait. Quand tu as fait mon vieux le fils là, tu es tellement de beau travail, tu es plus qu'un frère pour moi. Mais c'est pas. Si vous voulez bien faire online, ça va être grave. Mais non, mais téléphone, moi, parce que téléphone, moi, dans les élèves, il y a un complet qui m'a fait mon cas. Il y a un complet qui m'a oublié de faire classe. Mais moi, avec ça, connexion, ah bon? Oui, est-ce que vous faites? Vous faites casser la grille, combien de laptops tu es dans le PC? Qui est-ce que là? Tu vois un cas côté vite, vite, vini? Il est en ligne, tout. On va casser là. C'est-à-dire? Allez, maintenant, nous continuons. Non, allez, maintenant. Allez, on va être là, je vais t'allumer là. Allez, nous quittons ça notre là maintenant. Allô. Allez, ça va, c'est tout embêtement là. Nous pouvons un autre affaire qui est intéressant. Appelle ça fetch, decode, execute cycle. Correct là? Allez, right. Nous pouvons ça là. Hein? Veut dire computer, il fait un travail répétitif. Qui travaille computer fait répétitif? Vous pouvez expliquer. Bon, fetch veut dire al prend des états finis. Ok, fait que moi dire que tu es dans le frisidaire. Ou al CS pomme d'amour ou amener dans le frisidaire. Après, ou décoder. Décoder veut dire ou comprend qui vous fait un pomme d'amour là. Est-ce qu'il vous crase? Est-ce qu'il vous coupe? Ou ça pour griller pomme d'amour là? Après ça, décoder. Après, ou exécuter. Après, ou reset. Ok? Bon, veut dire aux objets comprendre qui computer fait un cycle. Cycle là, comment appeler? Fetch, decode, execute cycle. D'accord? Fetch, decode, execute cycle. Ouais. Computer qui les fait?
fetch, decode, execute, cycle. Maintenant, qui veut dire fetch? Je tout bien comprendre, allez, nous posons cette question là. Fetch, decode, execute, cycle. Allez. Nakchedi? Nakchedi ou la même? Nakchedi la même? Allô? Allô? Allez, nous causons un autre élève là, on parle de Nakchedi par là. Maintenant. Ah, Nakchedi n'a pas boit de l'eau. Allez, parfait, avec ça, réponds-moi là. Ce frère qui apprend ça de Zoulou. On va t'aider là. Allez, maintenant, Nukosa Kouchal. Kouchal la même. Allez, Kouchal, nous guettons un coup de si vous pouvez comprendre. Veut dire computer, il fait un travail répétitif. Qui veut dire répétitif? Veut dire, il fait un travail fetch, veut dire ACS data, après il décode data. Après, il exécute data. Après, reset veut dire il clear partout. Il réel faire fetch, il réel décoder et il réel faire reset. Bon, si tu as envie de comprendre ça plus bien, je vais vous guetter ici un diagramme pour expliquer ça. On appelle ça fetch. Fetch, decode, reset, cycle. Voilà. Ça, c'est photo là. Voilà. Fetch, decode, execute, cycle. Voilà. Maintenant, nous checkons. Voilà, fetch, decode, execute cycle. Je veux dire, un computer fait fetch, decode, execute cycle. Allez, 1 minute, hein, mon enfant. Regardez, si mon computer est un, je vais reconnecter là. Hein. Je vais bouger place depuis là. Allez, donne-moi bien. Je vais bouger depuis là, je vais mettre beaucoup de place et je vais mettre un coup de si je suis capable de prendre une autre place là. Voilà. Maintenant, ce qui nous permet d'expliquer, un computer il fait fetch, decode, execute, cycle. Je vais dire il répète. Il fait refaire fetch, decode, execute, cycle. Maintenant, pour expliquer ça plus bien, get ça notre slide. Voilà. Un computer il fetch des états qui est arrivé. Il y a tiers des états depuis dans mémoire, il y a mené. Ok? Il tient des états depuis dans mémoire, il a mené et il a envoyé ça dans CIO. Dans CIO, il décodé, après il exécuté avec l'aide des contrôles unit. Et reset veut dire les clear sur registers pour préparer le sac. Maintenant, nous guettons un coup. Fetch qui est arrivé là, les fetch. Ok? Les fetch, programme counter. Bon, ça, ce qui tient un peu autant mon trésor. C'est un peu autant mon trésor qui. Moi, c'est dessiné, moi, c'est expliqué. Voilà. Maintenant, il y a un dessin qui m'a expliqué. Là, ça te rame ça. Voilà, te rame. Te rame divisé en deux parties. Voilà. Te rame divisé en deux parties. Voilà, si vous comprenez. Rame est la seule location. Location, veut dire sur location. Voilà. Et sa colonne là veut dire ce data ou bien ce content. Right. Et la CPU, on dessine CPU. C'est mon cas dessiné. Voilà. CPU, il y a un registre qui appelle programme counter. Ça, est important, vous êtes comprenez. CPU, il y a un registre qui appelle programme counter. Et si la CPU, ce programme counter, il valait N, qu'il fait, il copie sa N là, il y a un autre registre. Il copie ça et là il y a dans l'autre register. Ça register là appelle ça Memory Address Register. Voilà M et R. Ok? M et R. C'est suivi bien. On peut expliquer ce qui veut dire fetch. Voilà. Ça on appelle le CPU. Right? CPU. Dans CPU. Voilà. Voilà. Dans CPU, nous avons un register qui appelle Program Counter. Il y a nous faire fetch,
valeur qui est dans le programme counter, je vais suivre là. Les copies les dans memory address register. Je dis valeur n vin là. Et lire memory address register, il y a valeur n. Il prend ça y a dans mémoire code location n. Mettons l'équation 0 là et l'équation n là. Et là, il prend ce data, instruction qui est là, soit de data, il prend ça, suivre là. Il prend sa data là, début de RAM. Il y a voyé leader memory data register. Voilà. Il y a voyé ça dans l'autre register. Et ça, l'autre register là, il appelle ça memory data register. Voilà, memory data register. Correct. Valeur data là, vient là. Et il prend des data là, il a voyé ça dans CIO. Dans l'autre register qui appelle ça CIO. Voilà. CIO. C'est ça l'autre register qui était là, c'est CIO. Correct. Il a envoyé des data là. Ça, on appelle ça Fetch. Allez, je vais donner une pause question, mes enfants là. Fetch qui est arrivé dans Fetch. Ok, je vais donner combien d'élèves suivre moi. Je vais trouver ce donne-moi là. Allez, right. Je vais te qui va nous élever suivre. Allez. Vous pouvez élever une question. Allez, Juliette. Ça va, Juliette? Juliette, vous êtes moi? Juliette, la même? Non, Juliette, pas là. Mon micro, là. Juliette, vous êtes moi? Tu es tout la même? Je ne vais pas suivre, hein, qui est dans l'email. Allez, on va poser des questions, je vais suivre. Alexandre, vous répondez là? Allô? Juliette ou la même? Non? Allez, plutôt, vous posez à Sanka. Sanka, ça va? Sanka ou la même? Il y a un problème réseau. C'est bon. Allez, ça va, c'est tout la même. Allez, c'est encore. Ne vous savez comprendre là. Qui veut dire fetch, qui veut dire decode et qui veut dire execute cycle. Voilà, comment on explique toi. Fetch, decode, execute, bien cycle, ça les répéter. Correct. Qui est arrivé dans fetch, qui est arrivé dans décoder, qui est arrivé dans exécuter. Et les, ça les continue, ça les a fetch, fetch, decode, execute, reset. Fetch, decode, execute, reset. Maintenant, c'est encore, ou c'est répondre moi. Qui veut dire fetch? Les fetch arrivé, premières affaires, programme counter, il prend valeur, programme counter, mettons les N, il copie leader memory address register. Qui fait les copies, programme counter dans address register, parce que programme counter, il dit à toi qui côté pour aller dans mémoire. Et les copies dans memory address register pour être capable à travers sa bus là. Sa bus là, comment appeler? Ça n'a qu'à dire moi. On appelle ça address bus. Comment on appelle ça? Adresse bus. Correct. Il y a l'adresse bus, il y a la mémoire. Qui côté il y a la mémoire? Location N. Et il prend ce data, il y a la data bus. Et après ça, il réavoue la CIO. Ça n'a pas ça fetch. Allez, nous guettons un coup de ciment, c'est bien comprend. Allez, et Mamdi, ça va? Oui, monsieur. Allez, nous guettons un coup de qui est arrivé dans fetch. Bon, imaginez, et Mamdi, ça rame là, comment dire, te présider. Et là tu vois 0, tu vois n, là qui arrive, tu vois 2 et tu vois 3, y'a ali. Comment dire de frisider à ça? Correct, mon fils? Right. Et ça CPU là, comment dire, tu peux aller process data, tu peux amener dans ton chopping board, tu peux couper. Correct, bien entendu? Allez. Programme counter, comment il commence? Fetch, il commence par un register qui appelle programme counter. Allez, mettons programme counter qui va aller à n. Qui fait l'exécopie d'ida? Memory address register. Il prend valeur N là, il met dans
Memory Address Register. Qui fait limiter dans Memory Address Register pour qui à travers ton address bus, tu as dans mémoire, tu as dans Memory Location. Qui Memory Location tu vas aller? Écoute, N. Et ce data qui est là-bas, tu prends lui, tu envoies lui dans Memory Data Register. Tu sors lui, tu amènes lui là. Après ce data-là, tu envoies lui dans CIO. Et qui fait envoyer dans CIO? Parce que dans CIO, tu peux décoder et exécuter. Allez, et m'a dit, nous avons un coup de souk à répondre, moi, ça m'a une question là. Allez, et m'a dit où là même? Oui. Allez, nous commençons. Qui veut dire fetch? Fetch veut dire elle prend des états de RAM, amène-les, envoie-les dans CIO. C'est correct là, mon fils? Oui. Allez, valeur programme counter. Qui valeur programme counter est là actuellement? MBO. Non, valeur qui est là dans programme counter. Programme counter, il y a un registre, ça arrive bien. Dans le registre là, il y a une place, ça arrive là. On met des couleurs rouges. Vais-y à la programme 40 qui va aller à tu et une valeur en dedans. Qui va aller à une méthode de programme 40? Et ça, le numéro là, qui numéro ça? Qui va aller à N? N. D'accord. Ou prends sa valeur N là ou copie-li. Quand une copie-li dans Memory Address Register. Quand une copie-li dans Memory Address Register. Qui fait une copie-li dans Memory Address Register? Pour à travers ou adresse bus ou à la mémoire. Qui côté ou aller dans mémoire? Code location N. Et vous prenez ce data, vous avez dit dans Memory Data Register. Après, depuis dans Memory Data Register, vous avez dit dans CIO. Qui fait vous avez dit dans CIO pour qu'à décoder et exécuter. Correct, et Mamdi? Allez, nous refaire ça. Allez, et Mamdi? Qui veut dire fetch? Qui veut dire fetch? Veut dire ACS data depuis dans mes mémoires. Correct, là, il m'a dit? Allez, pour faire fetch, qui nous bise commencer? Nous bise commence par programme counter. D'accord? Allez, nous c'est Bimanaiko. Bimanaiko, ça va? Bon après-midi, mon petit fille. Bimanaiko, là même. Non. Bimanaiko, pas là, pas suivre classe. Bimanaiko la même. Non, il a beaucoup aidé pour suivre classe. Là, on a besoin d'arrêter. Allez, nous refaire la tendance, nous mettons si on s'élève pour suivre parce qu'ils ne vont pas trop qu'on peut suivre là. Hein. Douga la même. Oui, monsieur. Allez. Lut, Juda la même. Non, pas trop lui. Mais il y a un problème micro. Yari la même. Oui, présent, monsieur. Allez, Kouchal la même. Oui, monsieur. Allez, Natchedi la même. Oui, monsieur. Allez, Aradon la même. Oui, monsieur. Goudouyal. Oui, monsieur. Allez, Kedan. Oui, monsieur. Choytou. Présent, monsieur. Divesh, Divesh, Amchan. Oui, et Mamdi la même. Oui, monsieur. Batou Bara la même. Présent, monsieur. Djawaye la même. Oui, monsieur. Allez, Sigoulam. Oui, monsieur. Gridari. Gridari, mon gars, je vais pas suivre classe. Je vais te beaucoup de choses, Nilarika. Allez, PSN. Présente. Allez, oui. Tokai. Présent. Allez, Ra. Juliette. Présent. Allez, Ra. La plupart des élèves suivent. Mon copain a un petit problème de connexion. Attends, je vais vous donner un message. Ojuda, présent, oui. Zoom, il dit bug. Bon, je vais vous donner un petit problème à ce Zoom. Ram, la même. Ram, la même. Non, Ram pas de répondre avec Ina N, Gridari, Nilaika pas de répondre. Allez, moi, revine le cher là, nous recontinuons là. Hein? Monsieur, vous présent. Qui c'est là ça? Gridari, Nilaika. C'est Gridari, tu as besoin de répondre à des questions, Gridari. Aucune question, vous ne pouvez répondre à mon posé. Ok? Allez, c'est participé. Ouais, la plupart des élèves là même là. Ok? Maintenant, moi, vous savez expliquer une affaire. Je vais te dire si je comprends, si je ne comprends pas, je vais te dire moi là. Hein?
Allez, maintenant, j'ai besoin de comprendre les affaires. Je dis, moi, si je te comprends. Nous avons un cycle, un computer, il fait un travail répétitif. Qui lui fait un computer répétitif, un travail. C'est-à-dire, il fait un cycle. Il fait fetch, decode, execute. Et là, il reset. Fetch, decode, execute, reset. Fetch, decode, execute, reset. Il y a un cycle, ça. Tous enfants, vous allez comprendre. Il y a une affaire répétitive, ça. Maintenant, on va l'expliquer de ce cycle-là qui veut dire fetch. Ok, voilà, ça qui va l'expliquer. Là. Fetch veut dire amène des états. Ok, decode veut dire il peut décode des états. Avec reset, il peut reset des états. Fetch, decode, execute. Fetch, decode, execute et la reset. Allez, nous mettons ça une coude ensemble. Allez, si je ne pas comprendre, je veux dire. Allez, je me pose question. Nous mettons un coup de chien des élèves, comprendre. C'est encore. Computer, il fait un travail répétitif. Le caradiamant qui travaille, il fait un répétitif. Fetch, decode, execute. Oui, et le caradiamant reset, si là-dedans. Il fait fetch, decode, execute, reset. Fetch, decode, execute, reset. Allez, bien bon. Maintenant, je me demande bas tout bas. L'IFR fetch, il a sa RAM, comme je dis, tout frisider. Et ma location 0, 1, 2, ma tiroir, ça. Right. Mais CPU, comment il travaille? Il commence par un register appelé programme counter. Programme counter, qui veut dire? Un register, ça. Il y a une valeur en dedans. Allez, je me demande bas tout bas. Programme counter, qui valeur, il y a un commencement, là, il commence. Allez, mettons. Dans ce cas-là, programme counter, qui valeur, il y a? N. N, bien bon. Allez, l'autre question nous pose. Après, bas tout bas, qui s'en a gagné? Sans corps. Il prend valeur N, là, depuis programme counter, côté à vous, il mon garçon. MER. MER, oui. Qui veut dire MER, Sankor? Qui veut dire MER? Memory Address Register. Veut dire valeur qui est dans le programme counter, il copie l'IDA MER. Qui fait l'IDA copie l'IDA MER? Parce que MER est connecté avec mémoire à travers son address bus. Voilà. Et qui fait mettre ça dans MER pour dire à l'autre mémoire, location N. Right. Maintenant, data qui est dans la mémoire, dans le tiroir, il y a un data. Mettez une pomme d'amour. À travers qui bus il peut amener ça dans le CPU? Get là. Dis-moi ça, bus là, comment appeler? C'est là, ce tout là, c'est encore. Data bus. Très très bien. Ces enfants qui ne répondent ça, veulent dire comprendre. À travers le data bus, get mon vieux crédit. À travers le data bus, ça data qui est dans la mémoire là, dans le frisidaire. Il peut sortir, c'est pas pour d'amour, à travers le database qui permet de la CPU. Maintenant, question me pose d'où là. Qui côté de garder la CPU, les amener depuis la mémoire? Allez, d'où là. Tu as dit à la MDR. Très bien. Qui veut dire MDR? Je vais comprendre ça. Qui veut dire MDR? Memory Data Register. Très très bien. Allez, nous donnons une autre question à nos enfants. Tu te fais très très bien. Hein? Ça va nous en faire une réponse bien. Hein? Maintenant, on demande MMD. Data qui dans MDR, qu'est-ce que tu vois avoir, Elias? MDR. Allez, MMD, rends un service, ma fille. Tu me fais très bien de l'autre côté. Get data là, sorti de la MDR, qu'est-ce que tu as, les diamants? Dans l'autre register. L'autre register là, comment appeler? Allez, MMD, je connais un petit problème. Je demande Aradon. Data sorti depuis la MDR, côté allé. CIO. Très très bien, Motifi. Très très bien. Correct, il y a la CIO. Allez, qui veut dire CIO? Tu es capable de dire moi? Current Instruction Register. Allez, très bien. Allez, nous répète ça. Nous réfère avec l'autre bande d'élèves là. Hein? Ça bout là, il me vient faire. Je ne comprends fetch là. Fetch veut dire prendre des détails de la mémoire, avoir la CIO. Allez, nous réfère avec un autre élève. Jawahir. Allez, quand nous commençons, fetch. Djama Jawahir. Qui registre nous commençons? PC. PC, très bien. Valer à PC, qui valer à actuellement? Jawahir. N. N. Qui vous fait? Vous prenez ou copie li qui côté ou avoir N là? Dans MEO. MEO. Qui veut dire MEO? Memory address. Register. Très très bien, mes enfants. C'est nous poser une autre élève question. Moi, bon, après, Jawahir, que ça a nous gagné. Bimanaiko, est-ce qu'il y a un problème, ça a nous réglé là? Tu as causé?
non, capable d'y avoir un petit problème. Nous avons une couche. Qui fait nous avons valé un début de programme 40 dans MER? Qui raison nous avons ça dans MER? Parce que MER est connecté à mémoire à travers qui bosse? Ça bosse ça comment appelle? Bosse, ouais, bien bon. Veut dire valer Canada MER c'est N. Veut dire ou parle de mémoire, qui location de valer, qui place de valer dans mémoire, de qui tu vois? N. N, très bien. Ok? Et l'étoile de Tiwa N, qui tu es là-bas? Tu es un data. Tu trouves data là-bas, il y a un data dans Tiwa là, qui est là, data là. Correct? Allez, ça data là, tu peux avoir qui côté à ce tu peux tirer de mémoire, qui côté tu peux avoir. Allez, couche là, fais un effort, dis bon là. Data là, sorti de mémoire. Très, très bien. Il a envoyé de MDR. Maintenant, Juliette pour répondre à ce terme. Juliette, MDR, qui veut dire? Allez Juliette, MDR qui veut dire? Allez Juliette, papa répond, ne pose sa question là, Tridari Niharika. Ok, qui veut dire MDR? Memory Data Register. Oui, Memory Data Register. Data là, c'est aussi depuis MDR, qu'est-ce que nous avons dit là-bas? Depuis MDR, qu'est-ce que nous avons dit? CIR. Très bien. Qui veut dire CIR? Current Instruction Register. Allez, right. Maintenant, qui nous explique ces escaliers? Nous explique Fetch. Je ne comprends pas qui nous explique Fetch. Maintenant, si tu n'as pas CS, un autre pomme d'amour, depuis dans l'autre tuyau, qui te faire en sa programme 41? Il n'y a plus un astère. Tu as le CS dans le deuxième tuyau. Programme 41, je peux faire une formule pour lui. Je dis ma formule là qui veut dire PC égale. PC plus 1, qui veut dire ça? Sa formule là, je te connais, ça a un nom. Hein? PC égale PC plus 1. Comment on appelle ça dans l'algorithme? Dans les qui font classe algorithme, programming connaît ça. Tout ça fait qu'il augmente par N. Comment on appelle ça? N count? Counter. Correct? Allez, PC is equal to PC plus 1. C'est un cas diamant qui peut arriver PC. PC, il dit N. N plus N, comment il vient à ce texte? C'est un cas diamant. Allez, nous causons l'autre zélé, il va à ce texte. Ça me suit moi. N plus N, comment il vient? Allez, diamant? 2. Très bien. Veut dire programme 41, il dit N. N plus N, à ce texte, combien programme 41 vient? C'est un cas diamant. Moi, je fais ça là, moi, dire. Programme 41, diamant, qu'est-ce que c'est tout là? Tu es tout. Tu es tout, programme 41, qui va aller in venir à ce texte? Diamant, qui fait? Hein? Deuxième fait, je te peux le faire là, il vient D. On te dit de me suivre là. Allez, D. Ouais. Maintenant, qui te pour faire ça valer à D là? Tu es tout. Diamant, qui te pour faire Oli? Envoyé dans un MEO. Très, très bien. Tu es tout une bien réponse. Ne peux prendre l'autre couleur ici. Ça valer à D là, regarde bien. On va pas écrire bien, mais je vais trouver. D là, nous avons dit dans un MEO. Qui raison nous avons dit dans un MEO? Diamant, écoute. D là, vient dans un MEO. Qui fait là? Diamant qui fait mettre D là dans MER. Voilà, D. D. Pour qui à travers ton adresse bus, tu as la mémoire qui location de voir aller à ce terme. D. Après, nous posons l'autre question à ce terme. Après, tu as eu tout qui s'en a nous gagné, non? Attends, tu as eu tout, elle a fini. Juliette. Juliette, la même. Juliette, mon corps. Oui. T'es la même Juliette? Mm-hmm. Allez, te prends Data. Data qui est dans la position numéro D dans la mémoire. Qui vous fait avoir Data là, mon garçon? T'es là, tu vois le numéro D là? Te prends ce Data. Qui te vous fait avoir? À travers qui bosse? Qui te vous fait avoir? Data bus. Oui, non. Oui, oui, il est bon là. À travers ton Data bus, que te vois, oui, ça Data là? MDR. Qui veut dire MDR? Qui veut dire MDR, Juliette? Memory Data Register. Maintenant, nous pose personne question. Depuis dans Memory Data Register, voilà Memory Data Register, tu peux prendre Data là, qui est dans MDR.
Que te pour envoyer Yastia? Yassan? Pourquoi zoom in fini là? Pourquoi la connexion là t'y coupé? Nous réussir. Avec tous les enfants connectés là? Allez, get un good. Allez, qui s'en a pour répondre là? Allez, dis à moi, mes enfants, qui s'en a pour répondre là, mon quoi? Ça qui pour répondre là, attends-moi, dis à toi. Personne là même? Oui. Allez, personne. Déta là, sur le petit début de la MDA, quand tu peux aller à cette modifiée? Si ailleurs. Très bien. Qui veut dire si ailleurs? Parent instruction register. Très bien. Maintenant, après PSN, un autre enfant pour répondre moi là. Et nous avons un petit qui n'a pas de réponse du tout. Tokai. Qui peut arriver à ces N? Deuxième fête, c'est fini là. Troisième fête, qui peut arriver? Programme 41 pour augmenter par N. Veut dire D plus combien? D plus N, combien de venir c'est? D plus N, 3. 3. Très bien. Allez, nous sommes ça, programme 41 qui va aller pour gagner, pour faire une autre fête, chasseur. Régiment. Tokai, programme 41 qui va aller pour venir. 3. Allez, à ce qui nous fait, ça va aller à Canada, programme 41 là. 3 là, qui nous fait aller? Après les deux, MEO. Très bien, mon garçon. 3 là pour venir, MEO. Très, très bien. Correct? Astier, à travers qui boss? Qui te bouffe? Allez, dis-moi. À travers qui boss? Adresse bus. Adresse bus. Tu point dans qui location? 3. Et qui te peut le faire là-bas dans sa location là? Tu peux prendre qui ça fait depuis là-bas? Data. Ce data. Voilà, tu prends ce data. Allez, nous pose un autre élève question à Stéa. Depuis la mémoire, la location 3, tu peux prendre data là, nous vous pose un autre élève question là. Hein? Allez, merci Tokai, tu le fais bien. Nous pose Goudéal question. Allez, Goudéal, tu prends data là depuis la mémoire, location 3. Que te peux envoyer à ce Goudéal? MDR. MDR. À travers qui boss? Data boss. Qui veut dire MDR? Memory Data Register. Très, très bien. Maintenant, nous pose Sigoulam question. Ok, Sigoulam ou la même? Sigoulam la même? Non, RAM la même. Allez, ça m'a là, on va répondre du tout. Nous pose question à un autre enfant. Nous pose question Batubara. Depuis MDA, tu as envoyé des talents à CIO, correct? Maintenant, qui a fait arriver et spécial à CIO? Nous avons décidé de connaître. Qui est arrivé à CIO? Decode. Très bien. Maintenant, Astéa, nous pouvons expliquer toi Decode qui est arrivé. Je veux dire, Fetch, tous les enfants finis connaissent qui est arrivé Fetch. Fetch, il dit 3 plus 1, il vient 4. Là, il y a le 4, il continue. Et l'autre Fetch, 4 plus 1, il vient 5. Il y a allé, ça, il continue Fetch. Mais après Fetch, il y a Decode. Allez, maintenant, nous demandons Batubara à travers qui component dans CIO décodé arrivé. Allez, vous pouvez créer un component, ça, ce nom-là, il faut te dire moi. Qui component pour décoder instruction dans CIO? Il commence par C. Allez, Batubara, si Batubara pas connaît Douga Kaedli. À travers. Non, à travers le control unit. Le control unit, il peut aller dans CIO, il peut décoder l'instruction là. Déjà, decoding happens in the CIO. Decoding arrive dans CIO avec l'aide de. Ok, decoding, voilà. Où tu dois répondre, c'est le control unit. À travers le control unit, le CIO décodé pour arriver. D'accord? Maintenant, nous pouvons guetter un autre diagramme là. Vous pensez tous les enfants comprennent ce qu'ils ont déjà fait avec Decode. Maintenant, on va guetter nos notes. Voilà, dans nos notes, il explique ça. Voilà.
Allez, get some notes là, écoute, dis-moi si vous êtes comprends. Programme 41 contains the address of the memory location next of the next memory location. Le programme 41, tous les temps contenir l'adresse continue pour aller next. So programme 41 contains the address of the memory location of the next instruction which is to be executed. Veut dire d'après ce diagramme, programme 41 il garde l'adresse qui continue pour aller next. Get la parole next c'est 3. Tu finis le code 3, next qui vient 4. Tu finis le code 4, next qui vient 5. We have what is the function of the program counter? Program counter contains the address of the next instruction to be fetched. Est-ce qu'il tous enfin comprend? Program counter il garde l'adresse continue pour aller next. Maintenant program counter se valait regarde là, the address of the program counter qui nous fait nous copie into the MAR. Voilà. Valeur des programmes 41 nous copie dans MAR. Quelle raison nous copie dans MAR? Parce qu'à travers ton adresse bus, tu parles dans mémoire sa place là. Correct? Voilà dans sa note là, expliqué qui nous besoin à prendre valeur programme 41, nous avons eu dans MAR et à travers adresse bus, nous avons dans mémoire sa place là, nous copie data là, nous avons eu dans MDR. Voilà. Nous prenons valeur programme counter, nous envoyons dans MAR et nous allons dans mémoire à sa place là, nous prenons ce data, nous envoyons dans MDR. MDR, il y en a encore un autre nom appelé MBR, Memory Buffer Register. Allez, de continuer, le chien Ali là. Ils en vont rentrer là. En même temps, on recode sa vidéo là. Ok, bon, c'est les qui sont capables de gagner là. Recoding, il fait pour qu'il y ait une vidéo là. Correct, allez, nous continuons. Allez, nous continuons. Let's go. Allez, tout le monde qui est rentré là, nous continuons encore entièrement là, nous voir arrêter là. Ok. Maintenant, il est là. Correct. Voilà. Vous devez suivre là. Allez, mon cher, mon écran cher là, tout le monde est online là. Correct. Allez, nous guettons un coup. Nous reprenons. Ramine rentrée. Programme 41 contient the address of the next instruction. C'est-à-dire, programme 41 enfin, il garde l'adresse qui côté pour aller next.
Après ça, qu'il nous fait, nous prend valer programme 41 envoyé dans MEA. MEA, à travers adresse bus, dans la mémoire, sa place là. Nous prend ce data, nous, à travers database, nous envoyé dans MDA. Après MDA, nous envoyé dans CIO. Et à l'aide des contrôles unités de CIO, nous décodé. Mais fait, je veux dire, qui veut dire fait, je prends valer programme 41 envoyé dans MEA. Et à travers valer MEA, à travers adresse bus, il y a la mémoire. Il prend ce data, il y a dans MDA, avec depuis dans MDA, il y a dans CIO, ça c'est fetch. Ok, ça va en étape là fetch. Décoder veut dire à l'aide des contrôles unités de CIO, nous décoder. Maintenant, nous get nos notes. Voilà, dans nos notes. Allez, suivre là, on va vous poser une question là. Correct? Espérez que tous les enfants me suivent là. Dans l'examen, vous avez connu ça va en étape là. Qui va en étape arriver dans l'autre? Valer programme, le programme counter, qui dit contenir? What is the function of the program counter? Program counter contains the address. Qui address ne veut causer? Memory address. So program counter contains the memory address of the next instruction to be fetched. Correct? Deuxième, program counter, value of program counter is copied in the MAR. Correct? Qui fait de copier dans MAR? Parce qu'à travers ton address bus, tu prends dans mémoire. Et the content of the memory location. Il n'y a pas de sa mémoire qui a fait tuer. Tu as envoyé dans MDR. Et MDR, il est temporaire, ça, il garde des data temporary là-bas. Il commande buffer. MDR, c'est le nom, c'est MBR. Qui veut dire MBR, Memory Buffer Register. Maintenant, les te prend des data dans MDR ou bien MBR. Tu as envoyé dans CI, CIR. Voilà le nom là. Tu as envoyé dans CIR. Il veut dire value of data instruction qui est dans MDR, tu copies dans CIR. Et après ça qui est arrivé, programme counter augmente par N. Qui raison programme counter augmente par N? Pour lui préparer pour le next cycle. Je veux dire, une fois que tu prends des data dans MDR, tu envoies dans CIO, tu augmentes le programme counter. Qui fait que tu augmentes le programme counter pour préparer pour le next cycle? Correct? Next fetch. Maintenant, nous continuons. Après qu'il y ait dans la finale de CIO, nous décodons avec l'aide des Control unit. Correct? Ça, on appelle ça fetch. Correct? Maintenant, nous finissons avec fetch. Maintenant, nous continuons. Là, nous pouvons expliquer un bande d'affaires qui est intéressant. Nous pouvons faire des bandes de devoirs. Voilà. Allez, nous prenons papier d'examen. Vous êtes dans une bouclette avec vous. Allez, tous les enfants qui sont dans une bouclette devant lui, vous pensez là. Nous commençons à faire des devoirs. Correct? Allez, bouclette devant vous. Nous check un coup. Nous avons acheté bouclette tous les enfants. Voilà, bouclette. Hardware. Nous expliquer un peu quelque chose. Maintenant, nous pouvons faire des voix. Nous t'expliquer. Allez, ça des voix là. Nous vous posons une question là. Allez, nous mettez qu'ils élèvent 15 minutes. Nous vous faire des voix là. Allez, commencez. Sang Ujuda. Name the free buses in Volume 1 architecture. Qui est free buses maintenant? Allez, nous guettons si Ujida répond. Name the free buses. Allez, tout ce qui est dans ce bouclette, il est écrit dans ce bouclette là. Hein? T'as l'air de tirer la photo, envoyez-moi là. Allez, Ujida. Name the free, ça question là. Name the free buses used in Volume 1 architecture. Free buses used in Volume 1 architecture. Allez, Ujida peut répondre non. Allez, nous demande sa question là. Batubara, na Ujida ne répond. Micro pena, les gars chipé. Allez, Batubara. Allez, address bus, data bus, control bus. Top ça. Voilà, address bus, data bus et control bus. Tu en fais correct? Et réponse ça, nous t'y déjà fini de donner avant. Et Batubara est fatigué, répond ça. Il dit la même question, ça coûte peu poser. Ok? C'est-à-dire address bus, control bus avec data bus. Il est là-haut là. Correct? Il veut dire question à l'examen, il est beaucoup comme ça. There are three types of buses. Bon, les enfants bien répondre. Il dit à toi, voilà les three types of buses. Je ne fais rien là. Qu'est-ce qui était? Alors, dis là. Hein? Three types of buses. Voilà, address bus, data bus et control bus. Allez, nous prenons l'autre question maintenant. Ça n'a c'est tout. Après, Batubara, Douga. Douga, question pour toi. Describe the function of each name buses. Allez, chaque bus, tu peux dire sa fonction. Allez, describe the function of each bus.
Allez, si tu n'as pas connu un mot de toi. Allez, address bus qui les contenir. Qui devant toi là. Douga. Paris signals related to addresses. Très bien. Between the possession and memory. Très très bien. Veut dire address bus modifie les contenir adresse, memory address. Depuis qui côté tu pourras prendre data et depuis qui côté tu pourras mettre data. Correct? Veut dire it contains memory address. Deuxième. Allez, déjà, nous donnons notre enfant. Et maman dit, data bus. Clicari. Oui, data bus. What is the function of the data bus? Allez, et maman dit, fais-le faux. Allez, et maman dit, papa, répond, nous donne sa question là à Radon. Data bus, qui les contenir? What is the function of the database? Je réponds à la question là. Voilà, question d'examen. Between processor. Oui, Radiali faux, modifie. Database sends data between the processor, the memory unit and the input output devices. Très bien, modifie. Et database, il prend des data depuis la mémoire, il envoie de la CPU, depuis la CPU, il envoie des data de mémoire. Très, 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 très bien. Ok? Veut dire, database. Send data between the processor and the memory unit and input and output devices. Très très bien. Maintenant, nous posons question et l'autre a donné bien répondre. Nous redemandons à Mamdi s'il est capable de répondre. Control bus. Allez, Mamdi a une petite difficulté pour causer, pas un problème, et l'autre jour il répond. Au moins il répond, il a une difficulté. Maintenant, nous posons question Jawahir. Control bus. Allez, what is the function of the control bus, Jawahir? It carries signals relating to the control and coordinator. Oui, je peux expliquer. Ça n'a pas trop expliqué, mais à ce moment, je peux expliquer. Regarde là, suivez sa boucle là bien, bien, bien. Je peux faire un lien avec une autre couleur plume. Aïe là. Regarde CPU. CPU, il a ce control unit de brain. Lui, il y a un signal. Regarde là, il y a un signal dans la mémoire. Qui lui peut dire la mémoire? Il peut dire mémoire, tu connais, moi envie écrire quelque chose de toi. Soit, il peut dire mémoire, moi envie lire quelque chose depuis que toi. Mais dire, soit, moi amène un data, moi peux garder dans mémoire. Soit, moi peux prendre un data depuis dans mémoire, moi peux venir. Mais dire, qui contrôle signal pour faire? Ça contrôle boss là, il peut avoir contrôle signal. Qui veut dire contrôle signal? Il peut avoir un signal dans mémoire. Il peut dire mémoire. Si pas, moi peux read que toi, ou bien moi peux write. Veut dire, il peut avoir un read signal ou bien write. Il peut dire, moi, pour prendre des états depuis côté toi, soit moi, pour écrire des états côté toi. Moi, pour avoir des états, soit moi, pour prendre des états. Read veut dire lire, write veut dire écrire. Veut dire, control signal pour envoyer. Ça n'a pas envoyé control signal, CPU. À travers qui bus? À travers control bus. Voilà. Le CPU peut avoir des états. Peut avoir signal. Qui signal il peut envoyer? Control signal. Quand il a envoyé control signal, dans mémoire, il peut dire mémoire, nous pour read aster. Soit il dit mémoire, non, nous pas pour read aster, nous pour write. Correct? Veut dire, on explique ça bien. Get li la note ça. The function of the control bus. Control bus qui a envoyé, il a envoyé control signal. Qui veut dire un control signal, il peut coordonner bonne activité d'un computer. Soit il peut read depuis dans mémoire, ou bien il peut write dans mémoire. Ok? Mon cas explique ça de vous garder, on comprend? Get sa photo là bien. Control unit dans CPU puis avoir control signal. Tu vas mettre l'écran là. Ah yo, l'écran pas cher. Il est bon là, soit l'écran l'avait trouvé. Non, il est cher. Il est cher là. Donc à réexpliquer, soit je te get vidéo après. Mais c'est moi l'écran cher là. Donc ça bout là, t'es là, mon parti expliqué. Je veux dire control signal, les couleurs bleues là, je vais trouver. Qui s'en a pas avoir control signal, CPU. Qui s'en a dans CPU puis avoir control signal, de control unit. De control unit, il peut avoir un signal à travers qui boss. Control bus à travers ça là bon moi avec à écrire bien mais moi espère que vous allez trouver à travers le control bus qui bon signal il peut avoir control il peut contrôle RAM il veut dire mon peut lire la RAM et l'autre côté qui a envoyé un autre signal non mon peut lire mon peut écrire non mon peut lire mon peut écrire il veut dire il peut avoir control signal et voilà d'après cette définition il peut dire toi comme ça what is control bus? Control bus carries control signal. Coordinate the activities of the computer. Dis que read ou write function. Allez, maintenant nous continuons à faire des voix. Nous bien expliquer, nous faire des voix. Bon, nous cause free buses. Bah, tout barat, il dit, there are three types of buses.
dans le syllabus. Nous avons l'adresse bus, data bus et control bus. Et après ça, nous demandons aux enfants function of buses. Ben là, une de nos fonctions des sacs bus. Il y a address bus control contain address signal. Et oui, allô, allô. Oui, oui, oui. Oui. Ouais, t'as mon connu. Tiens-moi un peu. Mon line là, c'est moi. J'ai toujours vu. Ouais, tiens-moi. Capable de gagner. Ouais, mais l'app est plus bon que ça. Oui, parce que on a laptop qui touch, il a plume tout écrit là-dedans. Il est plus bon que Hollywood ici. On a laptop, bon laptop qui touch, hein, avec écrit avec plume tout là-dedans. Voilà. Allez, mon vrai vin vient d'entendre. Mon vrai vin vient d'entendre. Allez, mon fait à gagner, mon vin vient d'entendre. Ok? Allez, merci. Allez, merci. Allez, voilà, address bus qui contient address. Memory address qui côté dans mémoire pour amener data. Database qui prend data depuis dans mémoire, il y a envoyé dans CPU et avec des CPU il y a envoyé dans mémoire. Et control bus il y a envoyé control signal. Correct? Allez. Maintenant, je vais répondre moi là. Kouchal peut dire. Ouais. Astia, monsieur peut dire blabla. Répond. On va bien comprendre. Nick. Et un monsieur dire là. Qui m'a dit, on va bien comprendre. Allez, moi, c'est tout là. Hein? Allez, moi, c'est poser une question, mais c'est répondre, nous, qu'est-ce qu'il fait là. On va pas trop bien comprendre ce qu'il dit. Allez, maintenant. Michel, tu as l'air de cause à moi, t'explique-moi. Allez. Maintenant, là, nous devons faire question de l'examen. Correct? Voilà. Describe. Ok. Describe how the bus width and the clock speed affect the computer performance. Correct? Bon. Comment bus width affecte le computer performance? Je vais vous expliquer. Et nous avons ce diagramme là, les enfants. Si ça bus width là, ça lance. Difficile qui nous est là, si nous n'avons plus beaucoup de difficile, est-ce qu'il plus beaucoup de data pour qu'un transfert entre mémoire et RAM? Oui. Je veux dire, si nous n'avons plus beaucoup de bus line, so width augmenté, fait que moi dire nos data bus li 4 bits, ou bien 8 bits, ou bien 16 bits, plus nous augmentons nos data bus so width, même adresse bus nous augmente so width, nous pouvons accéder plus beaucoup de data et li pour plus rapide. Je veux dire, un enfant bien comprend dans notre sinon. S'il augmente ce bus size, il explique là. Si nous augmentons nos bus size, nos computers pour une plus rapide. Voilà. List the factors taken into consideration computers of performance. Performance and computer il augmente si nous increase ce bus width. Qui veut dire bus width? Veut dire ce data bus avec address bus. Si nous augmentons plus beaucoup de fil là-dedans, ce performance pour augmenter. Et au moins, si nous. Ok, qui veut dire ça? Si nous avons data bus ou bien address bus 4 bits, ou bien 8 bits, 16 bits, 32 bits, laquelle pour plus rapide? Allez, là nous posons cette question là. Kouchal même nous pose question. Kouchal, ça va, mon petit fille? Allez, nous guettons Kouchal online. Nous guettons s'il peut suivre nous, nous pouvons aider. Kouchal online. Non, on va te rouler. Allez, nous poussons Edli là. Bon, on va te rouler là. Hein. Allez, après, les causes à moi. Nous guettons un coup de chier là. Ok? Allez, nous pose Tokai question. Allez, Tokai ou la même? Allez, Tokai. Get ça. Qui a fait déterminer la performance d'un computer? Ce bus width. Qui veut dire bus width? Veut dire data bus ou bien address bus. Plus nous augmentons ce bus width, nos computers pour une plus rapide. Qui te comprend par ça? Faire comment dire chemin. De Goodland, ce chemin, il est bien petit. Nous pas capable, un véhicule pas capable vite.
Mais si nous augmentons nos bus width, nous mettons un plus large chemin, est-ce qu'il sert que l'argent pour plus fluide, plus beaucoup d'état qu'à aller, plus beaucoup de bisca aller? Est-ce qu'il te comprend ça? Oui. Je veux dire, si nous increase nos bus width, qui peut arriver nos performances, nos computers? Increase. Bien bon. Maintenant, dans un CPU qui nous est là, nous avons un clock en dedans, qui sait même nous mesurer sur speed, en hertz, HERTZ. Et nous t'ai expliqué qui clock speed, il est capable, c'est pas 2.3 GHz, 4.3 GHz. Plus nous augmentons nos bus, nos speed, nos clock speed, computer pour venir plus rapide. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Allez, rad. Veut dire si nous augmentons nos data bus ou bien address bus, nos computers pour venir plus rapide. Et si nous augmentons nos speed, nos processeurs, nos computers pour venir plus rapide, nos clock speed. D'accord? Et si nous servons plus beaucoup de cores, single core, dual core, quad core, computer pour venir plus rapide. Maintenant, le computer nous les affaires avec cache memory. Si nous augmentons nos cache memory, nos computers viennent encore plus rapide. Est-ce qu'il est d'accord avec moi? Veut dire qui ça fait détermine performance de nos computers? Ce bus width, nous augmentons bus width, computer pour venir plus rapide. Nous augmentons nos clock speed, c'est en hertz, HERTZ, gigahertz, etc. Computer pour venir plus rapide. Nous augmentons nos cores, unicore, dual core, quad core, ils vont venir plus rapide. Nous augmentons ce cache memory, nos computers pour venir plus rapide. D'accord? Maintenant, nous avons une question qui nous pose. Voilà. Question qui nous pose, nous pouvons guetter là, sa question là. Describe how the bus speed and clock speed affect the computer performance. Allez, nous pose question ici. Gridari. Allez, Gridari, vous pouvez répondre moi, mon garçon, votre fille. Gridari. Oui, allez, dis-moi. Si tu augmentes le bus width, ce qui peut arriver au computer sur performance? Il peut augmenter. Ouais, qui raison il peut augmenter? Si bus width, ce qui veut dire bus width? Je veux dire combien de fils peut servir pour connecter mon computer là, en dehors de ce bus là. C'est plus beaucoup de fils, je veux dire les plus larges. Chemin plus large, chemin plus large, il vous pliera rapide. Je veux dire increase, réponse est increase. The bus width will increase the performance of the computer. Est-ce qu'il est d'accord? Oui. Allez, nous posons une autre question maintenant, Juliette. Qui arrive clock speed? Qui veut dire clock speed, mon garçon? En qui unit nous mesure clock speed? Allez, dis-moi mon garçon. En qui nous mesure clock speed? Vitesse de processeur, par qui nous mesure? Qui unit ça? Allez, Juliette, pas me suivre. Nous pose question à notre Chedi. Allez, ouais, très bien, Juliette peut suivre. Nous mesure en hertz, H-E-R-T-Z. Allez, moi je donne l'exemple. Un CPU 2.0 GHz et le 3.0 GHz. Laquelle plus rapide? 3.0. Allez, c'est-à-dire ici qui vous a écrit? We increase clock speed. Qui peut arriver à performance un computer? Ouais, performance pour augmenter increase. Ou ça pour diminuer? Augmenter. Bien bon. Ok. Maintenant, nous pouvons faire une autre question là. Bon, ça va une question là, on vous donne ça comme homework là. Ok, je t'en ai dans cette computer, dans cette bouclette qui se naste, moi j'espère que Juliette en naste bouclette parce que plusieurs fois m'en j'ai. Voilà, ça va une question là, nous vous discutons ça dans la prochaine classe. Quand vous rappelez que nous sommes arrivés et nous vous discutons ça va une question là dans la prochaine classe dans cette bouclette. Moi j'espère que vous avez une note. Maintenant, vous pouvez arrêter cette session là, mettre cette vidéo là, moi il y a un temps et demi.